Bonjour, installez-vous confortablement et vous pouvez fermer vos yeux. C'est le moment de vous accorder une parenthèse, de vous concentrer sur chaque inspiration. Sentir l'air qui passe par votre nez, qui gonfle votre ventre. Et à l'expiration, sentir cet air un petit peu plus chaud. Et avec lui, toutes les questions, toutes les tensions, toutes les choses dont vous n'avez pas besoin, se dissiper. À chaque nouvelle inspiration, vous savez que vous pouvez bouger de quelques millimètres pour accroître votre confort. C'est votre moment. Naturellement, s'il y a des perturbations sonores, des bruits autour de vous, vous pouvez décider de les mettre en arrière-plan pour vous focaliser uniquement sur votre respiration et sur ma voix. La musique et tranquillement, alors que vos paupières sont closes, peut-être décelez-vous encore la lumière du jour à l'intérieur, ou bien peut-être à chacune de vos inspirations et expirations, vous fermez davantage les paupières pour vous accorder un moment de répit, un moment où vous posez pour déposer, pour vous reposer. Tandis que vous sentez votre corps tranquillement installé, vous pouvez peut-être déjà ressentir une certaine lourdeur à gauche ou à droite. L'étrange dans l'hypnose, c'est que parfois la détente, elle arrive par une oreille, ou par une main, ou bien par un orteil. Et vous avez le pouvoir de l'accroître, de l'augmenter, de l'étendre partout dans votre corps. Imaginez que vous êtes sur une plage et que vous profitez des rayons du soleil, du
une petite brise qui réchauffe et rafraîchit votre visage, vos mains. Vous observez au loin les vagues qui se rapprochent de vous et qui viennent caresser vos pieds pour vous apporter une délicate sensation de tranquillité. De fraîcheur agréable. Et tandis que vos paupières sont closes, vous pouvez parfaitement imaginer à l'horizon ce qu'il se passe au-dessus des vagues. Cette façon si fluide, si calme, que la mer a d'avancer vers la plage. Imaginez qu'une belle lumière traverse le sommet de votre crâne et amène une grande sensation de détente à l'intérieur. Comme une douche de lumière qui viendrait détendre le muscle des yeux, les muscles du nez, qui viendrait relâcher les mâchoires pour laisser flotter la langue dans le palais. Ressentez comme votre nuque se dénoue, se relâche. Grâce à cette lumière qui continue à traverser toute votre tête et à continuer sa course à travers vos épaules. Une belle lumière qui traverse vos bras, vos coudes, vos avant-bras. Jusque chacun de vos doigts, cette lumière se diffuse à travers vous et avec elle, à chaque nouvelle inspiration, de la détente, le calme. Vous pouvez parfois, dans ces séances d'hypnose, apprendre à vous créer votre propre parenthèse, à fermer la porte, vous extraire quelques instants du monde extérieur pour profiter. Un moment de sérénité, de calme, de tranquillité. Et la lumière continue à se diffuser à travers votre poitrine, à travers
votre ventre à travers chacun de vos organes. Tout reprend sa place naturelle, tranquille. À chaque nouvelle inspiration, ce sont des milliards de cellules de tranquillité qui voyagent à travers votre corps pour régénérer, pour apaiser et même pour guérir. Tout votre corps et votre esprit s'abandonnent, tandis que votre conscient peut-être s'interroge. Votre inconscient, lui, sait parfaitement ce qu'il a à faire. Peut-être que tandis que certaines pensées glissent, bien certaines comme des nuages au-dessus de cette plage, vous continuez à vous détendre en écoutant ma voix. Peut-être pouvez-vous ressentir comme votre respiration est de plus en plus calme et profonde. Peut-être avez-vous déjà l'impression qu'une jambe qu'un bras est sensiblement plus lourd, plus dense. Et tandis que vous faites cela, la lumière continue à détendre vos jambes. Tous les muscles se relâchent. Vos genoux, vos mollets, chacun de vos doigts de pied reçoit cette lumière et c'est ainsi tout votre corps qui de l'intérieur est parfaitement tranquille. Et vous pouvez à chaque nouvelle inspiration augmenter davantage cette détente. Sur cette plage, vous pouvez tranquillement observer les éléments qui sont proches de vous et ceux qui sont un peu plus éloignés. Je vous invite à prendre
une poignée de grains de sable. Et d'observer ces petits grains de sable. Laissez l'action de l'air envoler la plupart des grains qui sont dans votre main et observez ceux qui sont restés à l'intérieur dans votre paume de main. Ceux qui ont adhéré à la chaleur de votre main. Observez la couleur, la taille de chacun d'eux. Combien peuvent-ils être à l'intérieur de votre main? Plusieurs centaines, ou plusieurs milliers peut-être. Continuez à observer. À vous focaliser sur ce qu'il se passe à l'intérieur de votre main. Profitez comme si vous plongiez à l'intérieur de tous ces petits grains. Si vous perceviez la moindre minuscule petite cellule de grain de sable, et maintenant vous allez imaginez que vous grandissez, que vous vous alourdissez encore davantage. Et plus vous prenez une taille normale, plus vous entrez davantage en transe. Vous transformez encore, vous vous rapprochez de votre taille normale, mais vous vous alourdissez encore davantage et vous retrouvez cette plage sur laquelle vous êtes installé et vous observez maintenant toute l'étendue de sable devant vous. Imaginez toute cette étendue
mérite la même attention que les petits grains qui sont au creux de votre paume de main. Que tout a un sens, que chaque grain contribue à votre bien-être, que chaque vague que vous entendez alourdit votre tranquillité. Vous transporte à l'intérieur d'une petite partie de vous sereine. Maintenant, je demande respectueusement à votre inconscient laissez remonter le souvenir d'un apprentissage agréable, qu'il soit récent ou beaucoup plus ancien, peu importe, un apprentissage agréable. Pendant que votre inconscient fait remonter ce souvenir, cela me rappelle la première fois qu'un petit garçon posa sur une plage. Accompagné d'adultes, il s'élança à travers le sable doux qui grattait ses pieds, mais lui voulait aller goûter l'eau en toute sécurité. Il avait des brassards et un adulte le surveillait de près. Alors il s'approcha de l'écume et ses deux pieds se mouillèrent l'un et l'autre. Il ressentit une grande fraîcheur. Quelle joie! Il commença à sauter dans l'eau. Lui qui avait tant rêvé de connaître la mer, il était en train de vivre l'apprentissage de la plage. Il était tellement content. Il ressentait une grande fierté, une grande chance. Il se disait, mais j'ai tellement de chance de vivre ça, je suis très joyeux. Alors,
Je demande respectueusement à votre inconscient de retracer le souvenir d'un apprentissage agréable du début à la fin maintenant. D'observer ce qu'il y a à observer dans cet apprentissage. Éléments qui sont proches de vous ou plus lointains à l'horizon, les couleurs, les matières, les formes, les personnes s'il y en a. Vous pouvez entendre s'il y a des bruits, des personnes qui parlent, des sons, de la musique ou bien l'absence de son, le silence. Prenez le temps de sentir s'il y a des odeurs particulières ou bien une saveur, un goût dans la bouche, une certaine fluidité. Peut-être y a-t-il des choses à toucher par la peau, par les mains. Prenez tout le temps de revivre cela maintenant. Ressentez à l'intérieur de vous, dans votre ventre, dans votre plexus, dans votre poitrine, les sensations. Ce petit feu que l'on peut ressentir lorsque l'on est en train de découvrir quelque chose dont on sait que notre vie sera transformée. L'on va aimer cela et encore plus cette chance d'être là, de vivre ça, de se sentir parfaitement à sa place. Sérénité. En toute confiance. Profitez encore quelques instants de ces sensations. Je vais compter jusqu'à 5. Et à 5, vous serez parfaitement éveillé, prêt à reprendre le cours de votre journée. Et pendant ce temps, 1, pensez à tout
toutes les connexions incroyables que votre esprit inconscient transe et votre esprit conscient sont capables de faire pour votre bien-être, pour votre confiance, pour votre guérison, pour votre sérénité, pour votre sécurité. 2. Vous pouvez commencer à bouger vos pieds, à bouger vos mains, à déglutir 3, à sortir tranquillement de votre état, à percevoir la luminosité à travers vos paupières qui se fait de plus en plus forte et puis à entendre ma voix qui elle-même se fait de plus en plus présente pour vous ramener à 4, de plus en plus tranquillement dans la pièce où vous êtes installé. Prenez 3 grandes inspirations. Soyez certain, certaine que toutes les ressources dont vous avez besoin, que nous avons exploré, sont maintenant structurées pour commencer un travail en profondeur sur les prochaines séances. Bravo. 4. Et à 5, vous pouvez tranquillement revenir parfaitement éveillé en opérant une transition complète dans la pièce où vous êtes installé. Bravo.